Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 novembre. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous, le résultat de la semaine et quelques messages pour finir. Vous avez la tour, le 7 de denier, la mort, le 3 d'épée, l'as de coupe et le monde. Eh ben, alors, 3 cartes sur 6, arcane majeur, 3 cartes de changement profond. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la tour. Soit une remise en question profonde, soit quelque chose qui s'écroule dans votre environnement. Alors quand je dis qu'il s'écroule, cette tour, elle est toujours debout. Ce qui prend, c'est le haut de la tour, c'est la tête de la tour. Symboliquement, cette carte, elle parle de vraiment faire s'écrouler des pensées, des idées, une façon de voir les choses, d'avoir possiblement des événements qui nous arrivent, mais qui font que on se remet profondément en question parce que ce qui vient nous bouleverser d'un coup, ça éclate nos idées reçues, ça éclate ce qu'on pensait bien posé, bien solide dans notre tête, c'est-à-dire la vision, la représentation qu'on avait des choses. Ok? Donc vraisemblablement, il y a un changement pour vous. Il y a quelque chose qui vous est arrivé ou qui vous arrive là, qui remet des idées en cause. Ça peut être aussi un... Quand on parle d'amour, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de génie. Il y a vraiment une idée de rapidité, de soudaineté. Alors, vous dire exactement ce que c'est, c'est pas... J'ai pas d'éléments, en fait. J'ai pas d'éléments. Ce qui est sûr, c'est que vous avez une blessure de cœur à guérir. Et il s'agit de... Il s'agit de réouvrir votre cœur, il s'agit de... Soit d'avouer vos sentiments à quelqu'un, et quand je dis sentiments, c'est pas forcément amoureux, hein, mais soit il s'agit d'avouer ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un, soit il s'agit de vous l'avouer aussi à vous-même. Parce que vous avez en challenge, vous avez cet as de coupe. Cet as de coupe, quand il est... Quand il est en position inversée, je vais le prendre en position inversée, il nous parle de fermeture du cœur, de pas aimer, de pas vouloir aimer, de pas reconnaître qu'on aime, de ne pas dire qu'on aime, de cacher ses sentiments. D'accord? Et en force, vous avez ce 3 d'épée qui, lui, nous parle d'une blessure de cœur et d'une blessure à réparer. Étant donné que vous l'avez en force, ce qui va vous soutenir cette semaine, c'est justement d'aller voir au fond de votre cœur et de chercher la lumière, de chercher le feu, vous voyez cette flamme dessous là, si, voilà. De chercher à la fois où est la blessure, où est la brûlure, et puis qu'est-ce qui vous anime. Il y a une notion d'animer et de réanimer votre cœur pour quelque chose, pour quelqu'un. D'aller voir, étant donné que vous l'avez en force, je le prends vraiment comme une guérison. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Et puis vous êtes en train de guérir quelque chose, vous arrivez à une fin de cycle, vous avez deux cartes qui vous parlent d'accomplissement, de terminer un cycle et d'un changement profond avec la mort. Alors, n'ayez pas peur de ces cartes-là, d'accord? Pour moi, c'est toujours porteur. Cette carte de la mort, j'ai un autre tarot, bah celui que j'utilise dans les tirages mensuels. Hein, j'utilise toujours le même, le Light Sears Tarot. Et dans le Light Sears Tarot, cette carte, je l'aime beaucoup, elle s'appelle Mort et Renaissance. Il y a vraiment cette notion dans la carte de la mort
de grandes transformations. Évidemment, on meurt. Alors, on meurt pas littéralement. C'est une mort symbolique, mais c'est de laisser partir une situation, des parts de nous, tout ce qui nous entravait, tout ce qui nous servait pas. C'est également laisser partir du passé, laisser partir des blessures, laisser partir des choses qui nous liaient, qui nous plombaient, qui nous faisaient mal, ok? Pour pouvoir renaître, pour pouvoir repartir sur des bases saines. Et en fin de semaine, vous avez cette dernière carte du tarot, le 21, le monde, qui nous parle d'accomplissement. Et ce qui attire mon œil dans cette carte, c'est ça. Si le focus veut bien, voilà, c'est ici, là. C'est cette notion d'ombre et de lumière, de nuit et de jour. Et là, j'ai cette même sensation ici. Jour et nuit. Et là, il s'agit d'aller plonger dans vos ombres, d'en finir avec vos ombres, d'en finir avec ce qui vous blessait, avec ce qui vous plombait, d'en finir avec des idées reçues, avec des anciennes façons de penser qui étaient devenues rigides, c'est le mot qui me vient. Quelque chose qui était trop. Vous voyez ces personnages-là, en bas de la tour. Ils sont. Alors, le focus. S'il te plaît, focus. Voilà. Faut lui parler gentiment. Vous voyez ces personnages qui s'échappent par la base de la tour. Quelqu'un est venu démolir quelques pierres en bas pour aider ces personnes à s'échapper. Et j'ai vraiment cette notion de trouver une sortie. De trouver une sortie pour en terminer avec un cycle qui n'était pas nécessairement malheureux, d'accord? Mais dans ce cycle où vous aviez quand même du confort, y avait une forme de sécurité, une zone de sécurité dans laquelle vous avez évolué. Et là, ça arrive à son terme. Il y a probablement un événement extérieur. C'est pas forcément un gros événement. Ça peut être une phrase, quelque chose qu'on vous dit ou que vous lisez dans un bouquin, mais qui vous fait l'effet d'une bombe dans la tête, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment tout à coup une révélation, mais c'est comment c'est possible de rester encore là-dedans? Non, c'est plus possible. Je trouve une sortie. Certains d'entre vous trouvent effectivement la croyance qui bloquait tout, l'idée qui bloquait tout dans votre vie, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et il y a comme une révélation qui fait que enfin vous pouvez agir, vous pouvez guérir. Ok? Alors, comment vous vous sentez? C'est cette énergie de la mort, vous vous sentez en pleine transformation, vous vous sentez dans cet entre-deux. Là, c'est quelque chose de rapide, d'assez fulgurant. Ici, c'est une énergie lente. Donc, il y a vraiment une transformation profonde qui s'opère. Je pense que ça, pour moi, c'est comme un déclencheur. Il y a un déclencheur qui opère un changement profond en vous. Et ce que vous voulez, c'est cette énergie de 7 de denier. Vous voulez travailler avec patience pour obtenir des fruits, pour faire éclore, grandir, pousser quelque chose. Pour moi, c'est vraiment vous, pour faire éclore la plus belle partie de votre être, d'accord? Pour ressusciter ce cœur, pour le réouvrir, pour le. J'ai même le mot réanimer qui me vient. Il était bloqué, votre cœur, d'une certaine façon. D'accord? Alors, pas forcément surtout, hein, je ne dis pas que vous viviez comme des robots. Bon, mais vous savez mieux que moi à qui, à quoi ça fait référence. Il y a une situation, une personne, peut-être vous-même, hein, peut-être des parts de vous, vis-à-vis de laquelle, vis-à-vis desquelles vous étiez un peu bloqué. Il y avait des idées, des pensées, des blessures, des choses, peut-être du passé aussi, qui avaient comme
comme rigidifier, comme solidifier, comme voilà, comme bloquer votre cœur. Et là, tout à coup, il y a un déclencheur, il y a un déclic, une prise de conscience peut-être, qui vous permet de déverrouiller ça. Et en challenge, vous avez encore le fait d'ouvrir ce cœur, de vous avouer des choses peut-être, d'avouer des choses à quelqu'un, de vous avouer des choses à vous-même, mais de retrouver cette fluidité, cette harmonie. L'as de coupe nous parle d'indépendance aussi, on est dans le 1, de retrouver une indépendance émotionnelle. Est-ce que certains avaient besoin d'autres personnes pour se sentir stable émotionnellement? Et là, il s'agit de revenir vraiment à vous, à votre... Comment dire? Il y a quelque chose de nourricier là-dedans. Vous voyez ces flots, on a des poissons dedans. J'ai la sensation de vous nourrir vous-même. J'ai cette petite phrase qui me revient. Je me souviens que je l'ai utilisée. Je ne sais plus dans quel tirage. Ça m'est venu récemment là dans un des tirages. C'était peut-être mensuel ou la semaine dernière, je ne sais plus. Un petit dicton qui dit quand tu veux vraiment aider quelqu'un qui a faim, ne lui donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Et peut-être que... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette association d'idées là qui me vient maintenant. Certains étaient peut-être dans une situation où quelque part, émotionnellement, hein, j'entends, émotionnellement, vous aviez besoin qu'on vous nourrisse. Et là, vous êtes en train de réapprendre à pêcher pour vous nourrir vous-même d'abord. Alors ça parlera peut-être à certains, si ça me vient, c'est sans doute que ça doit être dit. Vous êtes prêt à prendre votre temps. Ça, c'est ce que vous voulez profondément. C'est une énergie lente, le 7 de denier. Vous êtes prêt à prendre votre temps. Vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de ce cœur, de prendre soin de cette métamorphose, de cette évolution. En résultat, avec le monde, ça nous parle d'une fin de cycle, d'accord, de boucler une boucle, on a terminé avec quelque chose, mais cette carte, elle nous parle d'un plein accomplissement, d'un plein épanouissement. Regardez cette femme, comme elle est rayonnante et comme elle est heureuse, et puis on retrouve cette fluidité ici. J'ai l'impression que vous avez commencé à faire ce ménage. Il y a probablement un déclic qui finit de déverrouiller ce nettoyage, ce changement que vous êtes en train d'opérer, mais vous l'avez déjà commencé et vous avez vraiment à cœur d'aller au bout de ça et d'être enfin débarrassé des anciennes blessures ou tout du moins des anciens mécanismes qui vous bloquait le cœur d'une certaine façon. Et vous êtes en train de retrouver cette fluidité et cette autonomie émotionnelle. En résultat, avec ce monde, on nous parle aussi de s'ouvrir, de dépasser des limites, une espèce de cocon dans lequel vous étiez jusqu'à présent, qui était sécure, qui était épanouissant, vous aviez vos marques là-dedans. Mais là, je sens qu'il y a une forme d'accouchement là-dedans. Il y a une forme d'accouchement de vous-même. Et vous y travaillez... lentement, patiemment, tranquillement. C'est chouette, hein? Alors,
vous ne serez peut-être pas complètement, complètement au bout. Puis vous savez, hein, quand on fait du nettoyage, nettoyage de ses blessures, nettoyage de cœur, etc., il n'y a pas tellement un moment où on sait que ça y est, c'est bon, c'est fini. Et puis, est-ce qu'on en a jamais fini avec, avec le cœur? Enfin, la vie va continuer de vous amener des choses. Hein. Il y en aura des bonnes et puis il y en aura des moins bonnes. Donc, mais c'est justement à l'usage, en fait. C'est en vivant votre quotidien, vos relations. On a cette notion de communication, d'être bien entouré aussi avec le monde, d'accord? Donc c'est en continuant votre vie et vos partages avec les gens que vous aimez, d'évoluer dans votre vie professionnelle, etc., que vous allez a posteriori vous rendre compte que tout à coup vous n'interagissez plus de la même façon avec des gens que vous aimez, vous n'avez plus les mêmes comportements, vous n'avez plus les mêmes pensées, vous n'avez plus les mêmes ressentis. Mais ce travail, il est en train de se faire et pour moi, vous avez déjà fait des pas. Vous êtes presque au bout de cet accouchement de vous-même, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? La bienveillance et les cycles. Bon, bah, les cycles, hein, c'est vraiment... On vous dit, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors pour certains, j'ai pas de calendrier là sous les yeux. Je ne sais pas exactement quand sont les pleines lunes. Pleine lune, nouvelle lune pour ce mois de novembre. Mais regardez un petit peu votre calendrier et honorez les cycles de votre corps. Là, les jours de pleine lune, nouvelle lune, elle est là cette lune aussi. Hein. Ça sera certainement des jours plus particuliers où le nettoyage sera d'autant plus impactant, j'ai l'impression. Donc, faites à votre sauce, hein, si vous avez des petits rituels que vous aimez bien, si vous avez envie de remettre des choses dans les mains de l'univers, si vous avez envie de faire certains protocoles thérapeutiques de nettoyage ces jours-là, ça peut être intéressant. Ça peut être des choses aussi beaucoup plus simples, comme de tout simplement le soir de pleine lune ou de nouvelle lune, vous faire couler un bon bain chaud avec des sels dedans. Le sel a des vertus purifiantes, purificatrices. Donc, et de poser l'intention de vous nettoyer, de vous purifier dans ce bain, de laisser partir les anciennes pensées, les anciennes croyances, les anciennes blessures. Et voilà. Et quand vous sortez du bain, en conscience aussi, de regarder cette eau s'écouler dans le siphon et de sentir que tout ça, vous le laissez derrière vous. Il y a des choses comme ça, je sens que vous pouvez faire. Laissez-vous guider aussi par votre intuition dans ce nettoyage, d'accord ? La bienveillance vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Vous l'avez en challenge, le fait de vous retenir, de cacher ses sentiments, de dissimuler, de pas dire à l'autre ou de même pas vous l'avouer à vous-même. Donc essayez de vous brancher s'il y a quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans le cœur, amoureux ou amical, hein, mais quelqu'un à qui vous pensez et puis... Et puis vous dites rien, et bah décrochez votre téléphone. Décrochez votre téléphone, ayez une pensée pour cette personne, mais dites-lui que vous pensez à lui, à elle, et ouvrez votre cœur, d'accord? Pour vous et pour les autres. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.